Allez, joué. Petit déplacement, oui. Oui, là. Oui, bien joué. Ici, ballon ici. D'accord. Plongeon. On appuie quand même. Ensuite, tu vas venir, tu vas déplacer autour du mannequin. Et moi, je te remets un ballon là. D'accord. Allez. Je repasse derrière. Ouais, tu repasses derrière pour finir devant. Ce que je veux, c'est de la vivacité sur le relevé et dans la course. Hé hey. Hé hey. Hé hey. Hé hey, je vais. Tu vas. Hé hey. Allez, 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 allez. Hé hey. Hé hey. Bien joué. C'est bien, c'est bien. On prend le temps de récup à chaque fois. Par contre, quand on part, on va en fond. Allez, quand tu veux. Hé hey. Allez, là. Oui. Oui, bien gardé ça, Vincent. Bien joué. Oui. Allez, allez, c'est pas. Oui. Oui, bien joué. Oui, allez. Oui. Merde. On a commencé il y a 30 minutes. Donc on va toujours rester sur du déplacement avec des plongeons. Puisqu'aujourd'hui, c'est en général les mercredis, c'est ce qu'on fait. Beaucoup de déplacements avec beaucoup de plongeons derrière. Ils aiment bien ça, ça fait un peu de vivacité et puis. On est là pour plonger, non? Je vais tellement marquer, j'ai mis au-dessus. Oui! Oh, bien joué! Oui! Oui! Bien joué! Ouais, tout ça! Oui! Oui! Ouais, bien joué! Oui! Oui! Voilà! Oui! Allez, allez, allez! Allez. Oui, regardez! Je pense qu'ils sont cuits. On va finir de les tuer. Il nous en reste deux encore. Allez, allez, allez. Allez, 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 va. Regardez. Bien joué. Poteau, il vient toucher couple. Ouais. J'en mets un ballon ici qui peut être en l'air, au milieu de terre ou au sol. Ouais. Il fait ça 6 fois, 6 allers-retours. D'accord, c'est pour finir. On va finir les cuisses correctement. Oui. Ouais, bien sorti. Ouais, bien joué. Ouais, ouais, bien joué. Ouais, bien joué, regardez à chaque fois. Ouais. Ouais. Ouais, bien joué, bien sorti. Ouais. Ouais, bien gardé. Ouais. Un peu plus loin. Ouais, allez, en place. Voilà, super, ouais. 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 Hey. Bah. Bien joué. Allez, encore. Oui. Oui, encore la dernière. Oui. Bien joué. Alors Rudy, tu peux nous dire quoi là par rapport à spécifique là, on est en
On est en milieu de semaine, donc là c'était du plongeon. Comment t'organises tes séances et qu'est-ce que t'attends de tes gardiens? Ce que j'attends des gardiens, c'est toujours le meilleur, hein, comme tout le monde. Après, les séances de la semaine, en général, c'est donc le mardi où on beaucoup de renforcement avec du poids pour que voilà, fatiguer les organismes, avoir une charge de travail assez difficile. Et puis le mercredi, beaucoup de déplacements, comme on a pu voir, comme tu as pu voir sur la vidéo en tout cas. Donc avec beaucoup de déplacements. Et voilà, avec du plongeon, de l'explosivité, de la tonicité, voilà, ce que les gardiens ils aiment en général. Et puis et après le jeudi, on part sur des ateliers un peu plus techniques, un peu plus tranquilles. C'est des échauffements avant la séance de mise en place. Voilà. Après le but c'est que les gardiens se sentent bien le dimanche. Donc on travaille en fin de semaine, ils ont besoin de bosser. Voilà comment ça se développe après. La séance d'aujourd'hui, je suis content d'eux parce qu'ils ont tout donné. C'est vraiment intéressant ces séances-là. Voilà, il y a plein de petits déplacements, il faut se donner à fond. Et au bout d'un moment, les cuisses, on n'a pas l'impression, mais les cuisses, elles sont vraiment fatiguées. Donc à la fin, il faut garder cette lucidité pour avoir la bonne prise de balle, faire le bon plongeon, sortir le ballon comme il faut. Parce qu'il y a des fois, je mets des ballons un peu plus bas, un peu plus haut. Et on verra, et vous verrez sur la vidéo qu'ils ont bien réagi sur certains ballons et que des fois ils sont vraiment fatigués et ils y arrivent. Donc ça c'est vraiment intéressant et je pense que les gardiens ils aiment ça aussi. Alors Antoine, là c'est les vestiaires après la petite séance là. Ouais. Alors comment tu te sens? T'aimes bien travailler comme ça, la tonicité, les appuis, plonger là c'est... On se sent bien, hein, ça fait du bien, on vit tout ce qu'on a, on est bien, ça fait du bien, on a bien couru, on a bien plongé. Je la finis avec les joueurs un petit jeu donc ça fait plaisir, ça fait du bien et puis... On lâche tout quoi. T'aimes bien la souffrance un peu, souffrir un peu à l'entraînement, ressentir la souffrance physique. C'est ça qui différencie les joueurs des gardiens je pense. Je vais peut-être me faire des amis en disant ça, mais moi j'aime bien, j'adore. C'est aller au bout de ce qu'on peut. Là j'ai tout, bon aujourd'hui c'était un peu. Ouais, on n'a pas tout lâché, mais on a tout donné, j'aime bien aller au bout de soi-même et c'est là qu'on se sent bien. Quoi. Finalement après on regarde ce qu'on a fait, puis on s'est dit putain c'était pas mal et on s'est donné envie de recommencer après quoi. Le spécifique, quand ça tire bien et tout, ça permet des fois de te conditionner, des fois même, tu dis je fais des bons spécifiques cette semaine, dimanche je le sens bien, ça permet aussi un certain conditionnement psychologique de faire des bonnes séances comme ça. Ouais, bien sûr, mais après je pense pas qu'il y ait de vérité non plus, comme on peut faire une semaine moyenne et en match justement tout redonner, mais bien sûr que ça, c'est toujours mieux de faire des bons spés, de toute façon je pars avec le principe de toujours me concentrer à fond et faire le truc au max. Donc il n'y a pas de ballon à négliger, il n'y a pas de spé à négliger. Donc à moins qu'on ait un petit moment de fatigue, mais sinon je donne tout et puis il n'y a pas de raison, je me concentre et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Quoi.